Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la PlayStation 4. Je l'ai reçue il y a 2 jours, je l'ai achetée via le pack Killzone à la Fnac. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce pack il est assez intéressant puisque vous avez deux manettes PlayStation 4, la PlayStation 4 évidemment, le jeu Killzone et la caméra. Tout ça pour 500 euros alors que la console seule est à 400, sachant qu'une manette coûte 60, le jeu coûte aussi 70 à la sortie. Et encore le prix de la caméra, vous êtes largement gagnant. Alors, cette PlayStation 4, vous avez déjà vu les photos sur le net, je pense. Elle est relativement plus fine que la PlayStation 3 Fat, mais elle est plus grosse qu'une PlayStation 3 Slim. Maintenant, elle est plutôt design, donc c'est pas trop dérangeant. Ou du moins, si vous appréciez son design. Donc elle a le design biseauté à l'avant, à l'arrière. Quand elle est debout, elle donne un design en diagonale. Maintenant, à voir si vous la mettez droite ou pas. Vous retrouvez ici, du coup, aussi un éclairage à LED qui change de couleur. Si elle est en veille, c'est orange. Si vous êtes dans les menus, c'est blanc. Et il me semble que quand vous jouez, c'est bleu. Ça donne un joli design à la console. Et quand vous êtes. Je crois que quand vous téléchargez, par exemple, il y a un petit effet de respiration, un peu comme sur les anciens Mac Book Pro. À l'avant, vous avez deux prises USB. Les boutons sont ici. Donc là, vous avez le bouton, par exemple, d'allumage. Et ici, le bouton d'éjection du CD. Et le CD est ici. Ce qui est assez bizarre, c'est que le CD, la fente d'entrée, elle est plus large que la bande noire laquée. Donc ça donne une petite impression bizarre. J'aurais plutôt vu plus large, mais effectivement. Trop de laqué aurait peut-être cassé un peu le design. À l'arrière, j'active juste l'ordinateur. Voilà. À l'arrière, donc vous retrouvez les ports, évidemment. Donc ici, on a le port de caméra, donc de périphérique auxiliaire. Ici, le port LAN, donc pour votre câble Ethernet. Ici, la sortie HDMI, la sortie optique pour le son. Et l'alimentation qui est là-bas en bas. Donc tout le reste, c'est de la ventilation, vous le voyez, hein. Mais c'est derrière la console, donc ça se verra pas quand vous aurez votre console dans votre salon, évidemment. Voilà. Autrement, qu'est-ce que j'aurais oublié? Je crois que c'est à peu près tout. Il existe également des supports pour la faire tenir debout, mais je sais pas si ça sert vraiment. Parce que moi je l'ai mis debout sur mon meuble et j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Hein. Voilà. Autrement, quand vous la couchez, vous avez des petits pieds en plastique ici, mais c'est pas top parce que effectivement vous n'avez pas de pied ici, donc si vous appuyez dessus, elle bouge. Après, votre console dans votre salon, vous amusez pas à la bouger. Hein. Donc ça c'est pour la PlayStation 4 avec le petit logo PlayStation ici en argenté. Voilà. Ensuite, ce qui m'a vraiment plus dans cette nouvelle PlayStation 4, c'est la nouvelle manette. Elle est tout simplement complètement différente par rapport à la manette de PlayStation 3, qui finalement, la manette de PlayStation 3, elle n'a pas évolué depuis la PlayStation 2. Celle de la PlayStation 2, c'était celle de la PlayStation 1, mais avec des joysticks analogiques en plus. Donc la manette de PlayStation n'a pas évolué depuis super longtemps. Donc là, vous voyez rapidement la différence. Hein. Au niveau de la manette, vous avez ici, vous avez donc le nouveau joystick qui est un petit peu creusé, donc vous avez mieux en main le joystick, enfin mieux sous le doigt, on va dire plutôt. Les boutons, par contre, de croix directionnelle et les boutons PlayStation, eux, sont restés identiques. Vous avez le bouton PlayStation qui est toujours présent au milieu, qui lui sert si le focus veut bien prendre, qui lui sert à faire pause par exemple quand vous êtes en train de jouer. Non, ça veut pas. Voilà. Ensuite, vous avez le bouton option, donc ça c'est le start, le nouveau start en fait finalement. Puisque start n'a plus rien à voir. Sur les nouvelles consoles, au départ sur les premières consoles, c'était quand même fait pour démarrer les jeux. Le bouton share qui lui permet directement de partager vos 15 dernières minutes de jeu
ou de faire directement une capture d'une partie, ou de faire du live sur Twitch ou Ustream. Ici, vous avez le nouveau pavé tactile qui lui permet, dans certains jeux, d'avoir quelques actions. Par exemple, dans Killzone, ça vous permet de gérer votre drone, de choisir les actions de votre drone, en faisant des touchés dans directionnel. Et ici, vous avez un petit haut-parleur, donc ça sert dans certains jeux. Ayant joué à Killzone et Resogun, dans Resogun, ça vous donne des indications, c'est assez pratique. Dans Killzone, c'est plutôt chiant parce que justement, ça se passe quand vous ramassez un fichier audio et donc vous êtes en plein combat et vous entendez un gars qui vous raconte sa vie et c'est plus dérangeant qu'autre chose. En dessous de la manette, on retrouve une sortie casque, donc forcément, puisqu'il y a du son sur la manette maintenant, il y a une sortie casque qui va avec. Une sortie externe, aucune idée de à quoi elle sert, désolé. À l'arrière, on a un petit indicateur de couleur, donc c'est à la fois l'indicateur de la couleur du joueur, et en même temps, ça change de couleur en fonction de certaines actions. Par exemple, quand vous mourrez dans Killzone, ça devient rouge, autrement, c'est vert. Le pavé tactile également est cliquable, donc pour le moment j'ai pas vu de jeu qui s'en servait, mais on va voir ce qu'ils en font. L'indicateur de lumière servira peut-être aussi pour la PS Move, en tant que PS Move. Là vous avez la petite entrée micro USB pour pouvoir charger votre manette. Et ce qui change aussi pas mal, c'est les nouvelles gâchettes. Vous voyez, elles sont incurvées vers l'extérieur. Si on compare à l'ancienne, elle est incurvée vers l'intérieur. Donc, vos doigts glissent beaucoup moins. Si vous avez une PlayStation, vous le savez, on avait tendance à ce que les doigts glissent comme ça quand on voulait gérer. Bah là, ça n'arrivera plus parce que votre doigt est un peu retenu et c'est un peu plus grippant. La manette aussi, d'ailleurs, est un peu plus grippante ici. Elle glisse moins dans les mains quand on a les mains moites. Donc, c'est bien aussi. Quoi d'autre encore? C'est à peu près tout. Donc les gâchettes, c'est vraiment ce qui me plaît le plus sur cette nouvelle manette. La dernière chose du pack, c'est la caméra. Donc là, c'est une caméra 3D. Pour le moment, j'ai pas encore essayé le Playroom, qui est une application qui permet d'utiliser la caméra. Donc je vous ferai un retour dans une autre vidéo, je pense. Et la caméra a la particularité d'avoir un genre de mini socle sur le côté. Donc vous pouvez poser votre caméra vers le haut. Je vous montre. Voilà, donc elle peut être braquée un peu vers le haut tout en gardant ce bloc droit. Donc ne faites pas comme moi, ne mettez pas votre autocollant ici, mettez-le bien ici, puisque si vous voulez l'accrocher à votre télé, ben c'est ce socle-là qui compte. Je m'en suis rendu compte que après avoir collé ça, que finalement ça pouvait tourner et que vous pouviez accrocher votre caméra comme vous voulez. Et donc le dernier élément du pack, ben, évidemment, c'est Killzone. Le jeu, je vous ferai un retour dans une autre vidéo parce que ça mérite forcément une vidéo complète. Mais pour le moment, le jeu me plaît beaucoup, même si les graphismes sont pas non plus hyper bluffants. Le jeu est vraiment très beau, bon, ça faut le dire. Mais c'est pas encore pour moi un jeu de next-gen. C'est-à-dire que sur PlayStation 3, ça tournerait pas évidemment, mais c'est pas encore le jeu de next-gen. C'est-à-dire que je pense que cette première année, on aura des beaux jeux sur PlayStation 4, mais je pense qu'on aura vraiment les vrais jeux vraiment bluffants au niveau des graphismes dans 2 ou 3 ans. Comme on l'avait finalement avec la PlayStation 3, puisque la PlayStation 3, ils ne savaient pas utiliser tout de suite la puissance de la PlayStation 3. Ils ont dû apprendre à coder pour cette console. Ça va être le cas aussi pour la PlayStation 4 et la Xbox One. C'est pareil. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne vous ai pas montré les câbles. Vous avez un câble HDMI livré avec la console qui est assez long. Ça, c'est plutôt cool. Un câble d'alimentation sans bloc d'alimentation avec, puisqu'il est dans la PlayStation 4. Ça, c'est pratique par rapport à la Xbox One. Par contre, le câble, celui-là, il est un peu court. C'est un peu dommage, justement. Je trouve que le câble HDMI aurait peut-être pu être un peu plus court et le câble d'alimentation plus long. Sinon, vous avez aussi. Donc bah évidemment la caméra qui a son propre câble, un peu spécial, donc c'est une prise un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on verra s'ils font 2-3 accessoires qui se brancheront de la même façon, ou si c'est destiné juste à la caméra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude.
Revenez bientôt sur la page YouTube puisque je vais faire une vidéo de Killzone, je vais vous faire une vidéo de l'interface de la PlayStation 4 pour que vous puissiez la découvrir. Et puis, si vous êtes un des chanceux à avoir déjà votre PlayStation 4, profitez-en bien. Pour les autres, si vous précommandez maintenant, vous ne l'aurez pas avant, il me semble, fin janvier dans la plupart des magasins. Donc ne soyez pas pressés. Pour Noël, vous oubliez, ça sera pas possible. Désolé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.